rue, mon esprit à moi te cherche. Toi seul est le désir. Merci, chers amis en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, vous qui suivez avec intérêt les vidéos du prophète Joël Crasso. Alors, je me tiens là pour une fois encore à apporter quelques témoignages de sources réelles et vérifiables pour dire que le Seigneur a tellement inspiré son serviteur, le prophète Joël Crasso, au-delà de sa fonction de serviteur de Dieu, au-delà de ce qu'il fait pour pouvoir sauver tous ceux qui sont réellement sous l'emprise du diable, sous la domination des eaux de la sorcellerie. Le Seigneur lui a confié une grande mission, et cette mission de sauver des enfants, d'aider les enfants en situation difficile en Côte d'Ivoire, en Afrique et pourquoi pas à travers le monde entier. Alors, il s'est doté de moyens pour mettre sur pied sa fondation où on peut compter plus d'une, en tout cas, assez d'enfants dans la fondation, à l'orphelinat. Mais je veux quand même encore revenir sur un fait, c'est que le prophète agit au-delà, c'est-à-dire en dehors même de la fondation, n'est-ce pas, dans les quartiers et villages, partout où Dieu l'inspire d'aller, il va identifier avec une équipe, n'est-ce pas, des enfants en situation vraiment difficile. C'est le cas du quartier Dialogue, où le prophète vraiment s'est réveillé pour dire non, c'est pas normal, trop, c'est trop. On ne peut plus. Les enfants vivent dans des situations difficiles, les parents n'ont pas de moyens. Alors lui, le peu qu'il gagne, il va mettre à la disposition, n'est-ce pas, de ses enfants dans ces quartiers où les parents ont des difficultés, notamment à pouvoir joindre les deux bouts, à scolariser. Alors ce qu'il a pu faire, c'est qu'il a non seulement apporté son soutien financier, le soutien matériel, le soutien en don de fourniture scolaire. Alors, nous sommes au quartier Dialogue, pour ne citer que le quartier Dialogue, il y a le quartier Vatican, il y a également les enfants Baliakata, il y a tellement de personnes, les enfants des aéroports, beaucoup ont bénéficié des touches spéciales, n'est-ce pas, personnelles du prophète Joël Crasso, qui ne se lasse pas d'apporter tant que le Seigneur lui donne la force et les moyens de pouvoir agir, il agit. Alors, on parle de sources vérifiables. Alors, nous sommes déplacés. On est véritablement au Dialogue et nous allons permettre à nos mamans qui connaissent très bien le prophète Joël Crasso, qu'on peut monter, on peut monter, on peut dire, mais elles sont là. On ne mettra pas la parole dans leur bouche. Elles vont dire ce qu'elles ont vécu avec le prophète Joël Crasso et ce qu'il a promis, ce qu'il continue toujours d'apporter comme soutien. Alors que je voulais tout simplement me tourner vers ma maman qui va nous donner sa bénédiction avant que d'autres femmes n'interviennent. Bonjour, je m'appelle Fatma Kone, je suis musulmane, le père de mère, je suis avec le prophète Crasso. Il ne m'a pas dit parce que tu es musulmane qu'il m'a abandonné. Il a fait beaucoup de choses pour les enfants musulmans comme les enfants chrétiens dans ce quartier, surtout les enfants musulmans. Parce que tous les enfants qui mangent à Résil ici sont tous musulmans. Mais il n'a jamais dit parce que lui il est chrétien qu'il n'a pas affaire aux musulmans. C'est un homme qui n'a pas de choix de personne. N'importe qui est toutes les personnes du prophète Crasso. Le don qu'il a fait aux enfants ici, moi-même où je suis là, je suis contente jusqu'à il n'y a pas reste. Même cette année, en Noël, là, il a donné du riz. Il a fait venir donner du riz aux veuves. Les femmes veuves dans ce quartier, elles tous sont venues me remercier. Et rien n'a pas remercié Dieu. C'est à travers Amando qu'on a connu, j'ai connu le prophète Crasso. Mais ce qui est sûr et certain, ce que le prophète fait pour les enfants, les grandes personnes dans le quartier ici-là, c'est Dieu seul qui connaît. Donc c'est un homme, vraiment, celui qui veut gâter son nom-là, il est en train de mentir. Mais Dieu au contrôle de tout. La personne n'a qu'à s'attendre à sa terminaison. La manière va terminer, il n'a pas s'attendre à ça. Pourquoi il va penser à vos prophètes? Dieu a déjà fait pour prophète. Donc prophète, oui, il est là. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Mais Dieu est au contrôle. Voilà pourquoi. Dieu ne va jamais le relâcher. Il ne va jamais le relâcher. Parce que c'est quelqu'un qui a la foi, qui a le bon cœur. C'est un homme de cœur.
Parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. S'il vous a dit, je vais faire ça, c'est ce qu'il fait. Quelqu'un qui a au moins près de 20 et quelques enfants à mourir à l'orphelinat au Vatican, sans compter les personnels, ils sont nourris là-bas. Hein? Ils se lavent avec l'eau de pompe, l'électricité. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, que Dieu n'est pas derrière lui, là, est-ce qu'il peut faire ça? Payer la maison. Il ne faut pas gâter son nom. S'il t'a fait quelque chose là, il faut l'en parler directement au lieu de gâter son nom sur le fils. Ces personnes-là, ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils sont vaincus au nom du prophète Mohamed. Parce que nous, on sait ce que le prophète fait pour tout le monde. Toute personnalité qui s'approche au prophète, on sait ce qu'il fait pour nous. Donc, le prophète, il n'a qu'à laisser parler à Dieu. Il ne faut même pas qu'il va répondre. Mais Dieu sait ce qu'il va faire à cette personne, à ces gens-là, qui sont combien, c'est Dieu qui va faire ce qu'il veut à ces gens-là. Mais ils ne peuvent rien contre le prophète. Parce que lui-là, c'est quelqu'un qui a peur de Dieu. Il a peur de Dieu. Même moi, dans ma maladie, cette année-là, le 22 quand il s'est tombé, ce que le prophète a fait pour moi, mon cœur est témoin de ça. Il m'a fait venir de l'argent pour me soigner. Mais ce n'est pas pour cela que je vais mentir que oui, hein, le prophète n'est pas bien, il est ceci, il est cela. Ça va te donner quoi? Quelqu'un qui t'a rendu service. Aujourd'hui, tu tournes contre lui. Mais tu tournes contre le bon Dieu. Tu penses que Dieu va te laisser? Il ne faut même pas qu'il va avoir peur même. Il ne faut même pas qu'il va penser. C'est dans ça même, les gens même, ce qu'on lui donne aux enfants là. Ce qu'il a donné, il a donné 4000 chaussures. Les enfants de ce quartier, ils ont eu plus de 200 à 300 chaussures. Les enfants du quartier là. Deux ont eu deux paires, deux ont eu trois paires. S'il voulait là, il peut demander là-bas puis venir vendre. Mais il n'a pas vendu. Il a donné aux enfants cadeaux. Sans compter chaque fois qu'il a besoin des enfants, la nourriture qu'il prépare pour leur donner, de l'eau qu'il leur donne, la poisson qu'il donne aux gens. Mais il n'a quand même, on n'a pas à avoir peur de Dieu. Mais l'homme noir est né, l'homme noir, il restera l'homme noir. Le prophète là, sa vie ou sa quoi, tout est dans la main de Dieu. Mais Dieu va donner, Dieu va lui donner encore progresse. Dieu va faire qu'il va progresser encore. Et les gens vont toujours avoir confiance. Parce que c'est un homme de confiance. C'est un homme de confiance. Il n'est pas obligé de rendre service aux gens. Il peut mentir et puis avoir ça et puis faire de ce qu'il veut. Mais s'il prend ça là-bas et qu'on lui donne, il vient et vraiment il donne aux gens, vraiment Dieu a son contrôle. Il n'y a pas veuve, il n'y a pas orphelin, même pas orphelin, tout le monde. C'est lui qui a enlevé sac voilà, à l'école là. Dans la main des enfants ici au quartier, c'était dans sac de riz. Sac de riz, les enfants mettaient leur été dedans. Mais c'est le prophète qui a enlevé ça dans leurs mains, école couronnique, dans leurs bras. Il dit non, ça là, il ne veut pas voir ça. Il a donné ça aux enfants, sans compter les fournitures, sans compter les moyens même. Il y a des enfants même, ils ont reçu de sa main 10 000, 30 000, 40 000, 50 000. Il n'est pas obligé de le faire, mais il fait ça pour la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis sur ce chemin-là. Il ne faut pas les gens vont le décourager et puis il va écouter ça. Il ne serait jamais aussi découragé. Pour telle personne que je le connais là, parce qu'il a la foi. Donc vraiment, je le salue beaucoup. Du courage pour lui et vraiment que le Seigneur a ses contrôles de tout ce qu'il fait. Dieu a son contrôle. Dieu le surveille. Là, ces personnes-là ne peuvent rien contre le prophète. C'est toi les camarades Kadiatou. Vraiment, le prophète Krasso a ramé à un début de dialogue qu'on a dit à Djalani Fokati. Après, cadeau d'un doma, avec Samara doma, après, école sacrée ou doma, avec Waru doma, avec Malboro doma, avec Fembe doma. Donc, à un niveau de dialogue qu'on a avec Bébé Denis, tout le monde est mis en une baisse à la doma. Donc, à un niveau de la classe, oui, il y a un doma qui est à la nièfe. A bolo fɛn nu minɛ minɛ ni fɛ o bɛ taa ɲɛfɛ dɔn a nisɔndiya wɔra la an na kati mɔgɔ bɛ min fɔla mani na kana to don la ka dabila a y'a ko o kɔnsume dɔn a ye sabara kana to don mɔgɔ y'a ko la ala k'a da min kama a ko a da ka bila sira nin de kan dɔn a ye jija ka sira nin taama a kana sira nin to yen dɔn an bɛ min ɲini n'a fɛ a kana to don mɔgɔw kan na ala y'a dɛmɛ. Et que si on a des gens qui nous connaissent, ben, nous sommes là, prophète Krasso, nous sommes là, prophète Krasso. Donc, à Djidja, à Kana Srabla, à Sinyama, à Komoro, à Kuma, à Kuma, à Kana Shilame, à Beka, à Kofi, à Sarata.
Bon, même le prophète Krasso, il est en train de se faire. 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 Donc, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Ce que je voulais dire à ma belle-fille, elle n'a pas le courage de qu'être forte. Soutenir son mari. Mais je dis à ma belle qu'elle prend courage pour pouvoir supporter son mari ici à Divo. Nous, on ne l'a pas connu, hein. Moi je ne l'ai pas encore connu. Quand il m'a dit qu'il s'est marié, on était tous contentes. Elle n'a qu'à lui soutenir. Et ici à Divo, tout le monde, toutes les femmes, en tout cas, elles ont le bras, la prière, en train de prier pour elle et puis son mari, pour que tout ce qu'ils veulent entreprendre là, Dieu n'a qu'à mettre la main sur ça. Dieu est au contrôle de tout ce qu'ils sont en train de faire. Pour que demain, à Divo, elle, son mari, leur nom puisse encore régner plus. Plus. Et puis maintenant, voir vraiment de manière, vont soutenir, elle va soutenir les femmes de son côté, qu'elle peut leur aider. Parce que toute aide là, c'est la volonté de Dieu. Que Dieu leur donne les moyens, longue vie, la santé et le courage, elle surtout le courage de faire oublier tous ces problèmes dans la tête du prophète. Vraiment, on leur bénit beaucoup. Que Dieu les bénisse, que Dieu les mette de bonnes personnes sur les chemins pour qu'ils puissent venir aider les enfants à l'orphelinat, les enfants dans les quartiers de Divo, le quartier Vatican, le quartier Dialogue, Zaroko, tous ceux-là, ils ont reçu les cadeaux du prophète. Ceux qui n'ont pas encore reçu les cadeaux du prophète à Divo ici, là, je ne vois pas. Donc pour cela, n'aie pas écouté les on-dit. Les on-dit là, ça ne fait rien. Si tu n'es pas né là, on ne parle pas derrière toi. C'est parce qu'il est né, qu'il est courageux, que Dieu est derrière lui. Un homme de Dieu là, on ne se moque pas de lui. Quel que soit, si c'est ton petit frère, si c'est un homme de Dieu là, c'est un homme à respecter. Comme eux-mêmes ne se respectent pas, ça peut ça ne respecte pas l'homme de Dieu. Mais ce qui les attend là, c'est eux-mêmes qu'ils ont cherché, ils vont trouver ça. Mais qu'ils laissent le prophète tranquille. Parce que c'est quelqu'un qui a l'esprit, ce qu'il trouve là. Il dit tout le monde va manger autour de moi. Il ne mange pas seul. Les enfants comme les grandes personnes. Chacun a touché les biens de la mère du prophète. Donc, ils n'ont pas le laisser tranquille. Elle n'a qu'à avoir le courage d'être toujours à ses côtés. Si elle entend ce qu'elle voit quelque chose qui est mauvais, qu'elle lui parle pour pouvoir abaisser son cœur, ne pas se fâcher contre lui, ne pas écouter la parole des gens. Je les remercie beaucoup pour ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de faire, ils sont en train de chercher pour les femmes du dialogue, les femmes de Divo. Je les remercie beaucoup, je les embrasse fort. J'ai beaucoup l'envie de les voir. On veut beaucoup les voir, on veut les voir. Ils n'ont qu'à venir. Merci beaucoup là-bas. En tout cas, merci beaucoup à toutes ces mamans qui ont témoigné des bienfaits du serviteur de Dieu, le oint de Dieu, le prophète Joël Krasso. Celui-là même qui a un cœur. Et la main sur le cœur, il ne cesse véritablement d'apporter son soutien. Vous voyez ce que les femmes ont dit. Les femmes ne cessent de prier pour le prophète Joël Krasso, ne cessent de prier. Elles vont à la mosquée, elles vont partout et prient pour que le Seigneur puisse véritablement préserver la vie de ce grand serviteur de Dieu au grand cœur. Voilà donc, comme les mamans l'ont dit, alors si tu es quelque part, que toi-même tu sais que ce que tu es en train de faire, parce que quand on pose une latte, il faut souvent, on a le regret, on a le pincement, il faut en tout cas saisir l'opportunité. Parce que la Bible vient de le dire, un serviteur de Dieu, un oint de Dieu, quelque chose qu'il est, on ne l'attaque pas. Quand tu l'attaques, tu t'attaques à Dieu. Alors, est-ce que tu pourras véritablement, tu quantifies, n'est-ce pas, les retombées, toi, les tomber pour les enfants que vous êtes en train de, les personnes que vous êtes en train de vouloir induire en erreur, mais sachez qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu et ce Dieu, il est vivant. Et tellement qu'il est vivant, il ne va pas accepter que son serviteur ait honte. Mais sachez, je le dis toujours, hein, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est propre sur la terre de Dieu, à part Dieu.
nous tous avons couvert la perfection, on couvert la sanctification. Donc au lieu notamment de continuer, n'est-ce pas, à vilipender, à chercher, à tuer, à chercher, à faire tomber un ministère, à chercher, même à s'attaquer à une fondation, à l'orphelinat, où les enfants même arrivent à peine à manger, où les enfants ne savent pas où aller, les parents n'ont pas de moyens pour pouvoir nourrir les enfants. Depuis l'ouverture de cette fondation, les enfants n'ont jamais manqué de nourriture, d'habillement, de pâte d'entretien, des brosses à dents, tout ce qu'il faut pour leur survie. Dieu comble ce serviteur et ce centre et cette fondation de moyens pour pouvoir soutenir les enfants. Maman l'a dit, le personnel résident profite, tout le monde s'est dit, vous voulez gâcher tout ça, mais vous aurez vraiment toutes ces personnes sur votre dos. Mais comme Dieu est amour et qu'il nous exhorte à pratiquer l'amour, il faut prendre le chemin de l'amour. Et quand tu sais que tu en prends le chemin de l'amour, il y a le pardon. Donc le pardon, entre le poète Joël Crasso et tout un chacun de nous, on a notre histoire. Moi j'ai mon histoire avec le poète Crasso. Je sais où on s'est connu, je sais où on s'est croisé. Mais depuis que ce serviteur de Dieu m'a connu, moi, je prends moi mon cas, m'a connu, il n'a jamais cessé de m'apporter son soutien. Si j'ai eu à toucher à un portable plus cher dans ma vie, mais c'est lui. Quelqu'un qui il enlève sa puis il dit, moi, tiens, un portable qui vaut plus de 600 quelque, je vais passer par vous pour l'acheter. Mais le prophète l'a fait pour moi. J'ai eu besoin d'un ordinateur, mais il l'a donné. Parce qu'il dit, toi tu es un communicateur, il faut que tu aies un ordinateur. Et en plus de cela, mais tu roules, tu as besoin de carburant. Voici un quota pour toi, alors que je t'envoie pour te soutenir parfois à toutes tes courses. Mais combien de serviteurs de Dieu le font? Mais si toi tu le fais, arrêtez de vouloir vilipender un tel monsieur qui a un grand cœur. Priez pour lui plutôt. Soutenez-le en prière. Soutenez-le avec vos moyens. N'est-ce pas? Vous avez été tous au commencement. Luttez. C'est combien de fois il a souffert la première année avant de mettre les enfants à l'école, les enfants de la fondation à l'école. Quand même qu'il étend encore ses actions au-delà même de la fondation. La première année, ce n'a pas été facile d'insérer les enfants qui ont fait 3 ans, 4 ans sans aller à l'école. Il a frappé à plusieurs portes. Mais l'administration était faite parce qu'il n'avait pas d'agrément. Et puisqu'il n'avait pas d'agrément, on ne pouvait pas accepter que les enfants bénéficient de la gratuité. Mais ce même monsieur, ce grand serviteur de Dieu, le prophète Joël Crasso, a enlevé pour les inscriptions des enfants, les fournitures scolaires et autres, 600 et quelques mille, 700 000 francs. Les enfants qui ne sont même pas ses enfants, il a pris l'engagement d'aider. Et il a essayé les enfants. Et ce n'est pas suffisant. Il a continué à mener le combat jusqu'à ce que les mêmes personnes qui combattaient ce... Mais vous étiez là, vous avez tous contribué. Vous avez vu combien de fois l'administration, les moyens qu'ils donnaient, les carburants, la voiture ils mettaient à disposition. Il faut aller dans tel ministère, il faut aller passer. Et vous avez fait toutes ces courses-là ensemble, vous avez été témoin de toutes ces choses. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a eu l'agrément et la fondation prophète Joël Crasso est reconnue en Côte d'Ivoire comme un établissement d'accueil des enfants déshérités, des enfants sans moyens. Et vous étiez aussi là. Mais qu'est-ce qui peut se passer pour qu'un jour comme ça on se lève et puis on tourne dos et on sort les griffes comme des sorciers? Mais ce n'est pas normal. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter, il faut penser à Dieu. Il faut tourner le regard vers Dieu, vers le Créateur. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut éviter de s'attaquer à ce serviteur de Dieu. Quel est votre rêve? Quel est votre objectif? Le voir à terre? Non, non. Le voir chuter? Non. Ça va vous apporter quoi? Vous aurez quoi en retour? Le voir, ok, donc vous le tuez, il meurt, et puis bon, la vie continue. Puis, nul ne vivra sur la terre éternellement. Mais vous aurez tout ça sur votre conscience. Mais comme Dieu est amour et que Dieu est Dieu, ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps. Ressaisissez-vous et pensez à l'amour de Dieu. Pensez, n'est-ce pas, à ce serviteur de Dieu qui est rempli d'onction, qui est rempli de protection divine. Parce qu'à un moment donné, quand tu frappes sur un mur que ça ne rentre pas, les balles, les flèches et autres retournent et tu frapperas à plein cœur. Et c'est toi qui vas tomber, tu vas mourir. Et en ce moment, tu verras, tu as mené ce combat pour rien. Pendant qu'il est encore temps, ressaisissez-vous, car Dieu est amour. Dieu nous demande de partager l'amour, de pratiquer l'amour et de s'accepter.
La seule chose que Dieu nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Et nous, on dit que nous sommes des croyants. Quand tu es croyant, Dieu est amour. Donc, pratiquons l'amour et laissons ces histoires, n'est-ce pas? Ressaisissons-nous, regardons à la croix du Christ, regardons à la croix, regardons vers Dieu. Pendant qu'il est encore temps, ressaisissons-nous. Que l'amour soit notre partage, que l'amour soit notre partage, que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun de nous. En tout cas, merci, prophète Joël Crasso. Merci à maman. Longue vie à vous. Longue vie à vous. Longue vie à vous. Et sachez tout simplement que l'éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu que vous adorez, ne vous abandonnera pas dans ce combat. Vous serez des vainqueurs, des vainqueurs, des vainqueurs. Et ensemble, prions pour le prophète Joël Crasso. Ensemble, unissons nos voix, nos forces, nos moyens, n'est-ce pas, pour soutenir le prophète Joël Crasso. Et à travers le prophète Joël Crasso, pensons à ces milliers d'enfants qui n'arrivent pas à manger, qui ont faim. Pensons aux enfants déshérités, aux orphelins. Au lieu qu'on consacre tout notre temps à faire des vidéos, cherchons des moyens, comment on va sortir les enfants de la pauvreté, de la misère. Comment sortir les enfants d'Afrique de la pauvreté, de la misère. C'est ça le combat. C'est ça le combat. Les vraies vidéos, c'est-à-dire, prophète Joël Crasso, il te soutient. Alors, telle personne, orientez vos forces, envoyez des moyens au prophète Joël Crasso, orientez les moyens vers la fondation. Alors, la fondation n'est pas seulement faite que pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, mais c'est une fondation qui doit agir un peu partout. Et c'est les enfants du monde entier qui vont y bénéficier. Il faut le faire, il faut plutôt changer le combat, il faut plutôt orienter le combat vers le bien-être des uns et des autres, et des enfants déshérités, des enfants, les veuves, n'est-ce pas, et tous ceux qui sont vraiment dans le besoin. Imaginez-vous combien d'enfants meurent de faim, combien de familles meurent de faim, combien de personnes meurent de faim. Tellement la pauvreté est grandissante à travers l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le monde entier. Ressaisissons-nous et mettons bas la terre et pensons à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer.